Bonjour à tous, ici Sprulex pour ce nouvel épisode des aventures dans Creativerse. C'est donc le huitième épisode qui a mis un peu de temps depuis le dernier, étant donné que j'ai fait pas mal de gameplay entre deux. Et donc, on va essayer de voir ce qu'il y a de nouveau. En populaire. Ça charge un peu. Alors, jusqu'à 15 énigmes, 4 parcours de labyrinthe et beaucoup de fun. Oh, une aventure française. Tiens, on va une fois. Allez, on va une fois faire d'abord l'aventure française et puis on va faire le temple de Reslutunes. C'est parti, on va tenter, voir un peu ce que ça vaut. Alors je rappelle, les aventures, c'est vraiment de la visite. Parfois il y a une histoire, parfois pas, ça dépend des joueurs qui l'ont créé. Ok, donc on commence ici, donc le portail d'entrée. Là on peut voir une petite photo. Ici c'est un healing beacon qu'on n'a pas besoin forcément. Ah, ça rame un tout petit peu. Voilà. Alors, il y a moyen de descendre ici. Il y a moyen d'ouvrir. Bingo. Donc, ils ont fait ça vraiment au niveau de la mer. J'imagine que c'était pour avoir plus facile au niveau du plat. Enfin, quoique, non, même pas. Là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait à ce niveau-là. Alors, salle des téléporteurs. Il y a un problème avec les portes. Il n'y a rien ici, Interatusmi, ok. Océan, lac, forêt, grotte corrompue, je ne sais pas si c'est volontaire. Donc ils l'ont laissé comme ça. Au pire, si ça ne va pas, on changera de serveur. Donc là, ok. Base de Misrako et de Stromferle. SL égale Stromferle. Le plafond, ça va être en quoi? Eh bien, je ne sais pas. Je me le demande. Tiens, ça a changé le l'image. Ok, on va une fois les voir. Ah. Ah ouais. Ça rebondit, c'est du. Les blocs de gelée. Alors, on peut descendre ici, et eh bien on va le faire. Hein. Yep. Voilà. Ok. Pourquoi lui est en rouge? Je ne sais pas. Ah d'accord, c'est un de leurs animaux de compagnie. Pourquoi pas? Allez, on remonte, on descend, on va descendre. Ok, c'est du stockage ici. Très bien.
Alors, c'est de la découverte, hein. Je découvre en même temps que vous. Et ouais, enfin, je vois pas où est l'aventure là-dedans. À part aller fouiller. J'ai suivi les torches, mais voilà. Alors, il y a un beacon vert. Bah oui, c'est le soigneur. C'est le healing beacon. Alors, ici, de retour. Alors, il y a quoi là-bas? Il y a un plan. Il y a un coffre. J'ai pas la permission de l'ouvrir. Ouais, je suis un peu déçu. Hop. Voilà. Forêt, grotte corrompue, je sais pas où aller. Allez, Shizinogre. On va une fois aller voir. Alors, il y a l'équipa, il y a un peu de tout. Mirette. Kippa. Golden Kippa. Silver Kippa. Donc là, on voit les trois Kippas différents. Hein. Vous voyez que. Ah, zut. Tant pis. Je pense que je vais vraiment pas y rester longtemps. Et là. D'accord, je sais pas où je suis. D'accord, alors ici il y a un digipass, je sais pas pourquoi. On va essayer en fer. Bon, j'imagine que c'est Ouais, c'est ça. Bon, et bien soit. Mais au moins là, ils ont fini leur petit sanctuaire dans ce qu'ils appellent l'enfer. Tiens, c'est quoi ça? C'est. Ah oui, c'est en bois rouge. Ça fait un peu brique, mais en même temps, ça donne bien. Je pensais pas que ça donnait aussi bien. Ok, bon. On va fermer. Je pense qu'on va aller voir ailleurs si on y est. Bon, on va retourner chez Zinogre. Ok, on est de retour là avec les trois Kippas. Ah, il y a même un Ting. René Ting. Là, vous pouvez le voir. Alors, ouais, enfin. Vous pouvez voir plus ou moins à quoi ça ressemble. C'est moche. Déposez vos Myria ici. Article y compris, d'accord. Ah, d'accord. Wow. Donc là, il y a une construction qui est occupée d'être faite. Je pense qu'on va vite aller. On va refermer. Et on va se déconnecter.
Parce que c'est bien mes aventures françaises et je ne sais pas où aller. Il n'y a aucune indication. Ok, on va quitter l'aventure. On va pas mettre de like parce que bon, j'ai rien compris. Et on va chercher donc l'autre dans le populaire. Le temple de Resultins. Je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose. On va faire celui-là. Alors, 15 énigmes, 4 dispositions de parcours, de labyrinthe et beaucoup de fun. Explore le temple caché, essaie de battre tous les défis. Tous les puzzles sont résolubles. Cependant, il n'y a pas encore d'astuces, il n'y a pas encore d'aide. Cette carte est toujours en progression. Alors, lumière verte égale code OK. Code bon. Donc ici déjà, je peux ouvrir ça. On va... Cette porte est fermée. Ça rame un peu. Lumière. Y a rien. Là, c'est du parcours. Ce qui veut dire que je peux sauter là. Ok. Je suis dans un labyrinthe en 3 dimensions. Donc ça va être compliqué, je pense. C'est bloqué. Toujours suivre le mur de droite. Ah, du parcours. Numéro 1. Ok. Alors. Je saute et c'est raté. Plouf. Ok. Voilà. Alors... Très bien. Voilà. Très bien. Parfait. Bingo. Cet appareil est bloqué. N'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'indice du tout, donc je ne sais pas. Il y avait une porte en bas. 8. Bon, ben on va essayer 8. Ah, il faut refaire le parcours. On va essayer de... Zut. Aïe. Et je suis mort. Ok. Par là. On n'a pas encore été... Wow. Ah ouais. Donc je suis mort là-bas tout au fond. D'accord. Une grande tour. Hein, c'est pas moche, hein, franchement. Une superbe fontaine.
Ok, c'est juste la lumière. Bonjour. Y a personne? Bon. Y a un téléporteur. Ok, bon, on va pas trop fouiller par ici. Ça a pas l'air d'être. Ok, on va ressortir. Ferme derrière nous. On pourrait une fois descendre ici, mais on va faire ça proprement. On va retourner dans le. Ok. On pourrait monter à la tour, mais non. On y va. Hop, attention. Voilà. Très bien. Donc c'était ici. On va une fois aller voir l'escalier. 24. Donc on a un 1, on a un 8, on a un 24. D'accord. Et plouf. Dommage. Un 8 ici. Ok, on y va. Yep. Allez, plouf. Ça pique un peu, mais c'est mieux ça que de tomber sur du dur. Voilà. D'accord. Compliqué, hein. Donc on a toujours un 1, un 28, un 24 et un. Je peux pas me téléporter. Oui, si ça va pas, on changera encore une fois. Bon, je me retrouve là. Ok, bon. Ici, toujours pas. On ne peut pas. Il n'y a pas moyen de grimper. On avance. Allez. Donc, pour ceux qui se demanderaient, si vous faites des aventures sur votre serveur dans Creativerse, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de tester pour vous en vidéo. Ah oui, d'accord, c'est la lumière en fait. D'accord. Bon, pourquoi pas?
C'est mieux dans la lumière que dans le noir. Donc ici. Yep, raté. Plouf. Ah, raté. Plouf. Plouf. Ouais, 8 et 24, hein, toujours. Yep. Voilà. Voilà. Là. Ok. Là, on se laisse tomber tout simplement. Là, on tombe là. Je dois courir et sauter. Très bien. Et j'ai raté. Raté. Plouf. Et encore un plouf. C'est toujours ce bloc de glace parce qu'on glisse hein, sur la glace. Donc j'ose pas aller trop vite pour éviter de prendre trop d'inertie. Si j'avais toute ma vie, je pourrais tenter. Je peux tenter comme ça. Ouais, ok. Ça, il y a un petit bug dans leur design. Donc, 1, 8 ou 24. Non. Ok. Parfait. On passe à la suite. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça ne n'active pas non plus un. Ok, il y a une porte avec un interrupteur derrière. C'est que quand on a le bon code, ça n'active pas une porte secrète qui permet d'éviter de refaire le parcours. En cas de mort. Une porte ici avec 27 au fond. Ok. 27. Là c'est bon, on peut passer. Alors j'ai activé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. La porte ici. Non. Toujours 27. Et je retombe ici, d'accord. Ça n'arrange pas mes affaires. Donc j'ai appuyé sur ce bouton. Toujours 27. Il manque quelque chose. Il y a un bouton de plus à appuyer. Enfin, un code de plus à trouver, j'imagine. Donc, il faudrait que j'arrive à. Alors, ici, on va fouiller lentement. Là, on ne peut pas. Ici, ok. Donc, là, on arrive là. Donc
Donc là, on a appuyé. On peut pas lire ce qu'il y a dans la bibliothèque. Ok. Ici, je ne sais pas. On n'a pas de. On n'a pas de carte ou quelque chose comme ça pour se diriger. On a toujours 27 là. Ce sera pas en revenant en arrière. Je ne sais pas ce que j'ai activé avec cet interrupteur en fait. Hein. C'est que la porte. Rien du tout, il veut pas le savoir. Bon, j'arrive ici. Là, il n'y a rien à gauche et à droite, il n'y a qu'une porte devant que je ne peux pas ouvrir. Il y a 27 dans le fond. Ici, on descend. Je vais désactiver. Ça ne change rien. Là, toujours 27 dans le fond. Ici, on retombe. Ah oui, d'accord, c'est pour ouvrir ça. Oui. Donc, pourquoi pas? Alors. 27, 24, 8, 1. Non. 27, 24, 1, 8. Non plus. Je ne sais pas si je dois prendre les chiffres d'avant ou pas. C'est vrai que je ne regarde pas au-dessus. Je suis un peu perdu là. Hein. Je tourne en rond, j'essaye de trouver ce qu'il me manque. Non. Je ne vois rien d'intéressant. Il y a toujours ce 27 ici, donc c'est pour revenir. Il y a cet interrupteur ici. Une bibliothèque que je ne peux pas. Ouais, bah là je suis perdu. Je pense qu'on va sortir de là et qu'on va voir un autre.
Je tourne en rond depuis assez longtemps. Bon bah on va quitter cette aventure, c'est dommage. Et on va trouver une autre. Alors, nouvelle aventure. Populaire. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? D'accord, on s'en fout. On va essayer le Escape the Cube. Je ne garantis rien. Bon, ça peut être intéressant. Cette aventure est un test pour votre acuité mentale, aussi bien que tes prouesses de combat. Aucun objet n'était inutile. Donc voilà, on se retrouve dans un cube et il faut savoir sortir pour ça. Il fait froid, donc on a du timing comme ça. Speak friend and enter. Bon, petite référence au Seigneur des Anneaux, Lord of the Ring. Il faut dire ami en elvish, mais je ne connais pas le mot, le code. Donc ça, on va devoir attendre. Ici, on a quelque chose, on a... Voilà. J'ai découvert. Ouais, mais je peux pas les placer. Zut. J'ai découvert des escaliers de glace et je ne peux pas les placer. Alors ici. Bon, je prends tout, hein. Ok. Cette porte est fermée, d'accord. Des choses là-haut. Sale bête. Je vais pas y arriver. What? Allez, on va vite partir. Je sais pas si c'était prévu qu'il y ait un miru. Oh mon Dieu. Oh purée. Bon bah là A1Z26. D'accord. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Je suis dehors du cube là, les gars. C'est pas marrant. Comment je fais? Yep. Adieu. Voilà. Le concept est sympa. Maintenant, c'est vrai qu'une arme. Ouais, d'accord. Bon, ben voilà, c'est déjà fini. C'est vrai qu'une arme aurait été sympa aussi. Pour pouvoir combattre les mirus et les crabes. Bon bah comme c'est comme ça, je vois qu'il y a quelque chose là en bas. On va tenter. Alors Geronimo. On est bien, on est bien. Et plouf. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ils ont juste creusé la montagne ici pour pouvoir faire le cube.
Bon, allez, hop, on fait un restart. Et ils étaient que 3 pour le faire en plus. Donc voilà. Donc maintenant que je sais Speak Friend and Enter, donc F ça fait 6. R c'est la quatrième lettre de l'alphabet. Ensuite 9, F R I E, donc 5. Le N N14. Oui, je compte sur mes doigts. Et le D 4. Bingo! oui, bah oui, je connais Lord of the Ring, oui. Merde! Allez, on avance. Hop, qu'est-ce qu'on a? Comment vous... oui, bah là, l'égalité... donc 0? Non. How do you feel about equality? Je ne connais pas cette réplique, si c'en est une. Bon, on en a déjà réussi une des énigmes, c'est bien. Alors ici il n'y a rien. Ouais, c'est sympa le concept. Une pièce désactivée jusqu'à bug fixe, ok. Là il y a quelque chose, c'est de la glace que je ne peux pas poser de toute façon. Ici donc. Très bien. On peut descendre. Il y a... Ok. Donc ils sont là exprès. Sale bête. Et là, je me suis bloqué. Zut. Voilà, très bien. Et là, je vais me téléporter. Bien, ok. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là, tranquillement. On a vu deux, trois petites choses intéressantes. J'aime bien l'idée du cube. Peut-être que je ferai une aventure moi-même. Pourquoi pas avec certains d'entre vous qui seraient sur le serveur. On va une fois aller voir plus bas de retour. Sur mon serveur. Hein. Pourquoi pas ensemble faire une petite aventure. Un petit truc d'énigme comme ce cube. Tiens, il y a un autre cube ici, j'ai l'impression. Ou c'est une baraque. Mais je vois pas de porte. Enfin bref. C'est tout. On va s'arrêter là. Je vais quand même une fois aller voir là-bas. Tranquillement, hein, sans se presser. Zut, je suis pas assez haut et il n'y a rien de toute façon, j'ai l'impression. Ok. Bon, on s'arrête là. On va donc le vendredi prochain,
On va continuer le gameplay en mettant des meubles dans le château et en faisant des pièces un peu plus particulières, saletées, c'est des mirues. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que c'est cette petite phase d'aventure, même si elle n'était pas non plus super super, vous ont plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas aussi. Lâchez des commentaires non, aussi pour d'autres choses. Hein, si vous avez votre propre aventure que vous vouliez que j'essaye, par exemple, n'hésitez pas à me dire comment ça s'appelle et je me ferai un plaisir d'essayer. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres aventures ou d'autres phases de gameplay sur Creativerse. Et surtout, eh bien, portez-vous bien. Bye!